Je vais dézinguer tout le monde là, ça va me faire plaisir un peu. Où c'est qu'on monte? Là-bas, hop. Voilà, 4, 4 et 4. Ok, ça c'est fait. Ah, je suis tellement surpuissant que là, j'ai plus peur. Voilà. Ok, voilà, je me fais du fric. Ah, à toi. Même 3, tiens, hop. Bah écoute, 3. Non, trop loupé. 2 même, tiens, allez hop. Ça c'est fait. Et voilà. Ah. On met là, hop. Donc là c'était sûrement, ouais, où c'est qu'on monte sur les trucs là-haut? Parce que c'est bien fermé. Ouais, super, ouais, ça c'est bien ça. Vivement. Si jamais. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ouais, lui par contre il veut pas mourir. Hein. ça c'est bien ça, Némé. Si jamais on peut se faire du bro force. Aïe! Putain, ça pique. Hein. C'est fermé. Ça signifie que faut sauter par là. Non, même pas. Ok. Non, c'est fermé. Et alors? Comment on fait péter la porte en fait? Non, c'est ça. Donc c'est ça, hein. Faut faire péter la porte. Ah mais non, là il y a... Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Ah mais il y a des ennemis encore en bas là-bas. Et j'ai ouvert la porte là-bas. Voilà. Donc là, je vais faire un petit raccourci si je peux. Ok, merci. J'aurais pu même faire un petit raccourci là-bas. Hop. Je fais mon petit raccourci. Voilà. Pourquoi pas reprendre. Ouais, c'est clair. Eh bien, tu viens souvent au secours de la veuve et de l'orphelin en ce moment, n'est-ce pas? Mais là, en veilleuse, Wolf, je t'avais dit de rester au camp des gardiens. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu as dit de rester avec les gardiens. Quand j'ai entendu qu'ils allaient attaquer ce camp d'entraînement de Ventilope, je suis resté avec les gardiens, voilà. Joue pas avec moi, Wolf. C'est la deuxième fois que tu me désobéis et que je me retrouve dans la merde. Tu n'as pas le droit, Slade. Je voulais juste aider. Nebraska allait... C'est du passé, Wolf, dont personne ne se souviendra si les gardiens ne retrouvent pas cette sonde. Vite! Eh oui. Je veux juste que tu saches que je ne suis pour rien dans ce qui s'est passé au procès. Ma Elle mère... Elle ne t'a pas forcé à mentir, Marion. Et tu le sais, tu n'as simplement pas eu le courage d'affronter les conséquences de tes actes. Ce n'est pas vrai! Pas vrai?
Alors pourquoi tu ne t'es pas opposé à elle? Je sais que tu en es capable. Tu as bien eu le courage de devenir journaliste malgré son interdiction. Et comment le sais-tu? Je sais lire, Wolf. Cet article du Time sur ta puissante famille était très instructif. Ah oui, l'article. Et une fois de plus, me voilà pour réparer tes conneries. Ok. Pas la peine de te dire qu'il ne se passe pas une nuit sans que je rêve de Nebraska en train de tomber de cette grue. C'est un cauchemar. Il n'arrête pas de hurler. Je sais que j'ai vraiment merdé. Je fais le même rêve, Wolf. Mais là, je n'ai pas vraiment le temps de jouer à la nounou pendant que tu essaies de jouer au héros. La nounou? J'ai juste explosé ce camp pour t'aider, connard! Merci. Maintenant, dégage et retourne au camp. Slade, il faudrait que tu apprennes à être plus zen. J'ai lu quelque part que les cons crèvent plus d'arrêt cardiaque que la moyenne. Waouh! Ça, c'est puissant. Je devrais être fier. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir l'univers entier prêt à lui pourrir la vie. Mais là, c'était puissant, là. Ah, il y a eu du répondant, mais... clairement. Ah ben oui, hein. Ah, la violence, hein, oui. Ah, c'est clair. Au moins, c'est... ah ben, c'est du Bruce Willis qui se prend la tête avec ses femmes. Normal, quoi. Ah, pas par là. Je crois que... c'est bizarre que pour un camp de ventilope, ce que c'est. C'est... je trouve que c'est petit. J'ai vu des ennemis par là, on est d'accord. Est-ce qu'ils... ouais, ils sont là-bas, ouais. On va leur faire la fête un peu. C'est surtout pour récupérer des munitions. Et pour en perdre, par l'occasion. Putain, mais arrêtez de bouger! Oula! Je me suis fait exploser la tronche en fait. Ah, mais j'ai tué tout le monde aussi. Bon, ok. Oui, c'est vrai que c'était pas plus mal de faire exploser la dynamite. Hein. J'avoue. Ah tiens, bien, il y a quelque chose là-bas qui m'intéresse.